Université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? Les livres. Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt. Aucun rat. Alice a ramené un. C'est étrange. La dernière porte. Les jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va en entendre parler. Mais plus. Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire. Ah, c'est de la lecture païenne, tout ça. Le Sanguinis Itinera est un livre sacré. Le savoir qu'il contient remonte aux origines de l'homme. Et ce savoir peut tous nous sauver. Alors continue de fouiller. Et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre. À la couverture rouge, ouais. Il le cherche aussi. Je peux pas lire. Je dois faire vite. Pas stupide. Ces putains de races. Voilà les roses. Leur trou. Je suis sur la bonne voie.
La prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Au Bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Ouais, je préfère pas en parler. Oh, les voilà. Allez, sortez de là. Allez. Quelqu'un s'en prend à nous. Alerte ! Sale. Merde, pas ça ! Une marguerite est loin de ta maison, toi aussi, hein ? Porte-moi chance. On fait ça pour Hugo. Le monde. Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Un prisonnier. Eh ben, ils vont peut-être enfin ouvrir cette porte. Je peux pas passer par ici. Il y a trop de gardes. Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Je peux entendre quelqu'un. Je reviens. Sois prudent. Rien à voir par là. C'est noté. Là, c'est trop. Garde! Allons voir ça! Ne prends pas de risque. Rien. Une fois de plus. Bon, reprenez la garde. D'accord. Thank you.
ce qui arrive quand tu fais pas attention. Ça va me simplifier la vie. Ça m'a l'air bien mieux. Enfin, ça va faire du bien. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénéfant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite, l'épisanguis. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisanguis peut-elle contenir la morsure ? Tant que sa foi le lui permet. Pas la peine d'insister.
Alors c'est lui qui a fabriqué la porte? Ouais. Et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad Ignem. Ad Lokem. Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Allez au travail! Vous avez ruiné le sol! Une armure lourde! Il doit y avoir un moyen! Commande spéciale, le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hé, hey, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. On peut pas te presser, mais il continue d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Notre bibliothèque, sous la bibliothèque. C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde, là-haut. Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Tu m'aiderais avec ça? Ouais. Intéressant. Les étagères forment possible. Ton chemin jusqu'au livre. Facile. Un coup de main? Je fais ça. Je n'y arriverai pas toute seule. Tu veux bien m'aider? Si tu veux. J'ai peut-être parlé trop vite. Faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Oh, elle est coincée.
Rodrick ? D'accord. Attends. Ça roule. Maintenant. Ouais. T'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids. Ça a lâché. Bon. Va falloir être très prudent. Je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Rodrick, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte? Des sortes de moines. Ah bah bah. Mon père a fait les plans, c'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Oh, mieux vaut ne pas y toucher. C'est trop calme. Où sont les soldats ? Pas mal. Tu veux que... Non. Mon frère, je lui dois ça pour tout le temps où j'ai pas été là pour lui. Rodrick ? D'accord. Eh ben, si ça c'est pas de l'amour... Allez, il faut qu'on en finisse. Non, arrête-toi. De suite. Rodrick ? Ouais. J'y suis presque. Allez, ça fait trop longtemps qu'on est là. Le livre, j'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous
Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Ça va être la foire, là, derrière. T'es prête ? Oui, plus que jamais. Va chercher les autres, allez ! Où ils sont, bordel ? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'est pas question que je perde ce livre. Comment les choses ont pu régénérer à ce point ? On est coincés. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr ? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Rodrick, à toi. Ça, c'est pour mon père. Waouh ! Tu fais ça souvent ? Non. Mais j'y prends goût. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Hein ? C'était quoi ce vacarme ? Il est pour toi. Tu vas me le payer. Bien joué. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. Lucas, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Ah, j'aime pas rester à deux. Comme ça. On s'en prend un chacun, ça te dit ? Faut bien que je me fais celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Occupe-toi de lui. Tu me le diras pas deux fois. Parfait. Joli. J'aurais pas aimé me prendre ce coup-là. Oh, dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. La cheminée. Oh, merde. Oh, non, un incendie. Merde. C'est nous qui avons... Propage, le grand inquisiteur est encore à l'intérieur. J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain, là, il manquait plus que ça. Oh, les rats, le bouclier, il est intouchable, Rodrick. Attends, quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Il suffit de viser le feu. Le feu. Surtout pour eux. Tous les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer en douce. Si je les chope, ils vont me payer.
Bien joué. Ça, c'est le Mordine de l'Inquisition. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent? Deux gardes. On doit en faire bouger un. C'était quoi ce bruit? Ce bordel. Mieux vaut que j'y retourne. C'est pas fini, vous entendez? On doit vraiment entrer là-dedans. Ouais, si tu veux respirer. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer! Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupe pas d'eux. Seigneur. Jette-toi tête ici. Allez, allez. Elle, tu m'entends, réveille-toi. Verrouillé. Ça brûle derrière. N'approche pas! Qu'est-ce que tu fais? L'ouvre! Rodrigue! Est-ce que ça va? Cours! On y est presque! À gauche! Allez! Par ici!